All systems check. 3, 2, 1. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Sur la bande. Sur la bande. Avec Sébastien Gadouri et Zachary Léveillé. Bonjour Zach. Ça va bien? Ça va très bien toi. Yes, je suis bien content de te retrouver. Nathalie a fait une bonne job, là, mais je suis bien content de te retrouver pareil. T'es le meilleur pour plugger Bouge Radio parce que je peux pas te remplacer là-dessus. Ouais, on a un très gros invité, Maxime Boitler. Alors, là-dessus, tu l'as-tu plugger un peu Bouge pour lancer? Yes, sir, Bouge Radio. Application gratuite sur iOS et Android, maintenant plus, ben je dis maintenant, mais c'est parce que ça fait un bout, là. Plus de 40 postes de radio disponibles créés par le père à Sébastien. Chaque téléchargement l'encourage lui et nous aide nous. Il nous a beaucoup aidé dans le podcast pour tous les sons, tous les, voyons, les segments. Et c'est ça. Donc, DJ, petit bar en bas, Jeff sur Twitch. Et pour un party, mariage, peu importe, dans le coin de Montréal ou Blainville, Boisbriand, DJ Jeff, c'est le gars à contacter. Yes, c'est bon. Fait que là-dessus, on va lancer la mise au jeu d'aujourd'hui. Are you ready? Bonjour Max. Bonjour. Bonjour, tu nous entends pas? Un petit bug. Bonjour. Non, on voit, mais on dirait que tu fais. Le son marche pas. Merde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait réglé ça avant d'aller en onde parce que ça fonctionnait pas. Puis là, ça fonctionnait.
Ça sera pas bien. Ça devrait pas être très long. Bon, en attendant, Seb, moi, j'ai eu deux games aujourd'hui. Les deux en tir de barrage, j'en ai gagné une sur deux. Ouais, zéro. C'est ça qu'ils m'ont dit. C'est bon. Au pire, Max, tu veux essayer de partir puis de revenir? Je sais pas si ça devrait fonctionner. Pour les gens, peut-être, qui nous écoutent, je vous vois, mais je ne vous entends pas. C'est ce que Maxime vient de nous écrire. C'est okay. Ça le problème, on n'a pas le son. Tu nous entends pas du tout. Écoute. Donc, pour les gens qui nous écoutent peut-être sur Spotify, notre invité vient de quitter pour revenir et que ça va sûrement fonctionner. T'entendais, Seb? Tu as quoi à dire? Ouais. Ah, ben, je pourrais parler un petit peu du concours que présentement, il y a 3 participants. Gagne ton achat avec Sur la bande. Un concours jusqu'au 25 décembre. Vous pouvez gagner le montant de votre achat que je vais vous transférer directement à vous. C'est pas mal ça. Ouais, ben vas-y, tu peux participer. C'est moi qui fais le concours. C'est sur la bande, mais écris-moi si t'agites. Je peux faire une partie de mon segment. Bon, ils viennent de revenir, on va réessayer. Bonjour. Ça va bien, messieurs? Ouais, ça va bien, toi? Ah. Ouais, ça va très bien, merci. Yes. on peut te faire une petite présentation de toi, de qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, bien sûr. Écoute, Maxime Boisclair, originaire de Drummondville. Ça fait 5 ans que j'habite en Abitibi-Témiscamingue. Je suis entraîneur de hockey ici là, pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue collégial D1. Ancien joueur de hockey. J'ai joué tout mon hockey mineur à Drummondville, mon petit 3 à Magog. Ensuite, j'ai été repêché à Sherbrooke. Ensuite, j'ai été échangé à 17 ans à Chicoutimi. J'ai fini mon junior majeur là. Puis ensuite, là, j'ai joué Ligue américaine, East Coast. J'ai joué 2 ans en France, 1 an au Kazakhstan. Donc, j'ai voyagé un petit peu. Là, donc, j'étais dans le hockey pro mineur. C'est quelque chose qui t'intéressait à quand tu étais joueur, être entraîneur? J'ai toujours aimé ça, là, de connaître un peu là, l'arrière du joueur, là, comment le coach pense. Puis On s'entend que quand tu es rendu coach, tu comprends beaucoup plus là, certaines décisions de tes entraîneurs. OK, oui. C'est bon, fait qu'on va commencer ça avec Autour du filet. Autour du filet. Mais bon. C'est correct que je commence, Zach? Ouais, vas-y. Je sais pas si mes informations sont correctes, mais t'as pas été drafté dans l'HGMQ? Non, dans l'HGMQ, j'ai été drafté. Ok, j'avais pas vu, c'est pour ça. Je checkais sur le site de l'HGMQ, puis ça me disait pas d'informations. Fait que... Non, j'ai été drafté première ronde, 9e choix au total par les défunts castors de Sherbrooke. Ok, puis ça. Puis comment t'as vécu ton draft? C'était quelque chose de vraiment. Je me rappelle, c'était stressant. Je me rappelle, j'étais dans la liste, j'étais listé 3e au total. Puis moi, je sais que la paie, mon agent m'avait dit, c'est soit tu sors 3e ou tu sors 9e. Donc, quand je n'ai pas sorti 3e, là, puis à un moment donné, à 9e, ben, j'étais, puis il m'avait dit les villes que j'allais sortir. Parce qu'on s'entend que les agents sont quand même bien branché de ce côté-là. Ouais. Puis finalement, Sherbrooke n'était même pas 9e. Ils ont fait un échange avec Rouen Aranda pour aller chercher le 9e choix. Fait que je suis quand même très content. Là. On s'entend que Sherbrooke-Drummondville, c'était près de chez moi. Donc, puis j'avais joué à ma gueule l'année d'avant. Puis c'était qui là, qui avait le 3e choix? Pardon? C'est quelle équipe qui avait le 3e choix? Le 3e choix, c'était le Rocket de Montréal, les différents Rockets de Montréal. Ok, ouais, qui sont devenus le Prince-Édouard après. Puis, en plein ça, ouais. C'est bon. Zach. Tantôt, tu as dit originaire de Drummondville, mais ici, on écrit vient de Haïti. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah bon, c'est sûr que je suis originaire d'Haïti. Okay? Je suis arrivé, j'avais 3 ans. Mes parents sont pas droits. J'ai été adopté. Donc, mais oui, je suis né en Haïti. Fait que c'est sûr que quand tu regardes mon Elite Prospect, tu te dis, il doit avoir appris à jouer hockey en Haïti. Là, donc, j'ai vraiment appris à jouer hockey. Tu as commencé jeune le hockey? Dès que j'avais 4 ans. Je suis arrivé à 3 ans.
Je me rappelle mon père dans ce temps-là, il y avait un restaurant, puis c'est lui qui s'occupait là, de toutes les occasions là, de traiteur des voltigeurs de Drummondville. Donc, moi, j'étais tout le temps là, on avait des billets de saison, fait que j'étais tout le temps au voltigeur de Drummondville. C'est comme ça que j'ai vraiment là, pogné la piqûre du hockey, attrapé la piqûre du hockey. Mm-hmm. Tu as joué un an et demi, comme tu as dit, avec les défunts Castors de Sherbrooke. Comment ça a été, ce un an et demi-là, avec eux autres? C'était bien. Ouais. On était une équipe jeune. Puis, c'était quand même difficile. Ben, pas difficile, mais écoute, on avait notre propriétaire était américain. Puis, okay. Il tentait de ramener une équipe aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, moi, j'ai été échangé à 17 ans. Puis, l'année d'après, ils ont déménagé à Lewiston. Les foules étaient maigres aussi, là, on ne gagnait pas souvent. Je me rappelle ma première saison à 16 ans, je crois que mi-octobre, début novembre, on était déjà éliminé des séries éliminatoires, donc c'était plus difficile. Okay. Notre entraîneur, c'était Joe Canale, notre entraîneur. Okay. Donc, plus de pression aussi là, de gagner, de faire jouer ses vétérans. J'ai eu Joe Canale comme entraîneur, ensuite j'ai eu Jean Pronovo. Donc, tu sais, j'ai eu trois entraîneurs cette année-là. Là, donc, ça a été plus difficile de ce côté-là. Ouais, ça devait être dur d'avoir la confiance du coach, veut pas. Là. Excuse, Zach, je t'ai coupé. Ben, oui, c'est sûr que, écoute, on était, je me rappelle, on avait Danny Roussin aussi, qui était un premier choix. On était, je pense qu'on avait à peu près 7-8 recrues quand même. Là. Okay, donc, ouais. Oui, c'est ça. On était quand même une équipe jeune, mais il y avait quand même des attentes au-delà de ça, de notre équipe. Que les gens, on s'attend qu'à Sherbrooke, dans ces moments-là, si tu ne gagnais pas, il n'y avait pas personne dans les gradins. Puis notre propriétaire était américain, là, lui, il ne voulait pas vraiment perdre beaucoup d'argent. Donc, on avait de la pression de gagner. Ben, pas nous, là, les trois, l'entraîneur, il avait la pression de gagner. OK. C'est bon, ça. Tu as été échangé contre PA par Anto. En quoi, pour toi, est-ce que c'est important de savoir le retour quand tu t'es fait échanger? Est-ce que c'est important? Pas vraiment, honnêtement. Moi, pour moi, le fait d'être échangé, je savais que ça allait être un nouveau... Mais j'avais quand même un bon début de saison à 17 ans. Je pense que j'avais comme une vingtaine de points, mais ça allait bien à mon année de 17 ans. J'avais plus de temps de glace. On avait un nouvel entraîneur, Mario Durocher. Mario, il me faisait confiance. Il m'avait connu un peu à Magog par rapport à que j'avais joué à Magog. J'avais un bon début de saison, mais encore là, cette année-là, il savait que c'était leur dernière saison à Sherbrooke. Donc, il voulait aller gagner la Coupe. Donc, ils ont fait un échange de trois joueurs, moi, Yann Godet, puis Sébastien Courcel contre Pierre-Alexandre Parenteau. Lui était au championnat junior mondial pendant les fêtes, là, pendant l'échange, en même temps que Mario. Mario, dans le fond, Mario, il était entraîneur d'équipe Canada en même temps que Pierre-Alexandre Parenteau. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est important pour moi? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps flatteur de savoir que tu étais échangé contre un bon joueur, mais au-delà de ça, c'était surtout là, la nouvelle chance que j'avais là, de partir. OK. Le deuxième temps, ma question, je sais pas si tu étais fan des Canadiens quand il a joué là, mais ça fait quoi d'avoir été échangé plus jeune contre un gars qui était d'un Canadien dans ces années-là? Plus tard? Ben, c'est pas une question d'être fan. Je ne cacherai pas que j'ai joué avec un gars qui a joué dans les Canadiens, si on pense à David Dernais. Donc, j'étais pas mal plus fier de savoir que j'avais joué avec David Dernais que j'avais été échangé contre Pierre-Alexandre Parenteau. Oui, c'est vrai que vu de même. Hein. comme tu as dit, tu as un vent de changement. Tu as eu trois saisons et demie à Chicoutimi. Ça a bien été. Je check ça, tes stats sur OKDB. Dernière saison, 130 points. Oui. Ça peut paraître bizarre, là, mon année 19 ans, 108 points. Mon année 19 ans, 108 points. 20 ans, 130 points. Ouais. Mon année 18 ans, ça allait bien aussi. J'avais un très bon début de saison jusqu'à temps que... Je ne peux pas trop expliquer ça. Là. Les fusibles se sont touchés entre les deux oreilles. Puis j'ai eu un 15 matchs de suspension. Donc là, disons que ça a ralenti un peu ma cadence. Fait que, tu sais, je me rappelle, là, avant de
je devais avoir environ 25 points en 20 games avant mon match de suspension. Après ça, j'ai été suspendu 15 parties. Donc, c'est sûr que quand tu reviens d'une suspension de 15 parties, là, j'étais un peu rouillé. Puis, tu sais, si on se fie à mes séries éliminatoires à 18 ans, là, j'avais retrouvé mon air d'aller. Puis à 19-20 ans, mais là, ça allait bien. Là. Est-ce qu'on a le droit de te demander c'est quoi le geste qui t'a suspendu pendant 15 matchs? Mais oui, tu peux même tu peux demander ça, oui. C'est vraiment là, un gros... Dans le fond, ça faisait 3 parties qu'on était éliminés. Pas qu'on était éliminés, excuse-moi, qu'on était à la maison. Qu'on se faisait battre par blanchissage. Dans le fond, ça faisait 3e. C'est la 3e partie que... on n'avait pas fait de but. Puis là, entre la 2e et la 3e période, notre coach, il savait qu'il allait se faire mettre dehors. Donc, en tout cas, il y avait eu beaucoup d'émotions entre la 2e et la 3e période. Puis on s'était dit, là, il faut faire quelque chose pour montrer au propriétaire qu'on est derrière lui, puis c'est pas de sa faute. Puis là, je me rappelle comme c'était hier, on était 2 joueurs en punition. On était 5-3, dans le fond, des avantages numériques. Puis là, un de mes joueurs, pour ne pas le nommer Francis Lemieux. Il est en désavantage numérique. Là, il est rentré dans le gardien de but. Il était 5 sur lui, mais là, moi, j'étais dans le banc de punition, donc j'ai sauté du banc de punition pour commencer la bagarre. Fait que là, c'était une générale. Donc, déjà, en partant, quand tu sors du banc de punition, c'est 5 matchs de suspension en partant. Puis la façon comment c'était fait à Chicoutimi, c'est que il y avait 2 portes. Là, les juges de ligne m'avaient sorti, tu sais. Puis là, il y avait 2 portes. Donc, j'étais rentré par une porte, j'avais passé dans le couloir, puis j'étais revenu sur la surface de glacée. Donc là, j'avais eu un autre 10 matchs de suspension. Donc, ça me donnait un bon 15 matchs. Ouais, oh, il voulait retourner sur la glace. Ouais. On parlait de tes buts à ta dernière saison, 60 games, 70 buts. À quel point on est content quand tu as au moins un point par match? Là, c'est un but par match. Est-ce qu'on regarde ça à la fin d'une saison ou pas du tout? Ben, je crois que quand tu es dans la saison en tant que tel, tu ne réalises pas. Mm-hmm. Tu marques des buts. Je ne veux pas dire que c'est normal parce que. Mais tu sais, en tant que toi, t'es tellement tu sais, pour marquer 70 buts, t'es tellement confiant qu'à chaque partie, à chaque fois que tu lances, tu dis, hey, celle-là, elle va rentrer. Fait à la fin de la. Ben, tu sais, après, quand tu regardes ça plus tard, même après la saison, tu regardes ça, tu fais 70 buts, c'est beaucoup de buts, 130 points, tu sais. Mais tu sais, j'étais. Tout le crédit revient à l'équipe que j'avais parce que tu sais, je jouais avec des gars comme David Dernay, Patrick Coulombe qui joue dans la nationale, Julien Brouillette, Stanislav Lachec, Mike, tu sais, nommait les joueurs qu'on avait dans cette équipe-là. Sans ces joueurs-là, j'aurais pas pu faire ces points-là parce que d'un côté, si t'es seul, t'as pas la rondelle, ou si t'es seul, t'as la rondelle, mais t'as plus de joueurs qui te regardent, donc qui te. Donc, c'est sûr qu'avec tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer, mais ça m'a permis de me libérer et d'avoir cette saison-là. En plus, avec comme coach, vous aviez Richard Martel. Il était comment comme coach? Richard, c'est... Richard, c'est un motivateur. Hein? Richard, il trouvait tout un moyen là, d'aller sortir le meilleur de ses joueurs. Puis, c'est ça. Richard, il travaillait. Il était... Il savait notre potentiel, puis il restait le citron là, jusqu'à temps qu'on n'était plus capable. Ben, honnêtement, Richard, c'est un coach honnête. Par exemple, c'est un coach que si tu travaillais, si tu en donnais, il allait t'en donner. Donc, ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Oui, vas-y, Zach, je t'ai coupé tantôt. Avec David, étiez-vous un peu le duo comme qui était avec Max Pacioretty quand il était avec les Canadiens? Est-ce qu'il cherchait sa glace? Ouais, mais. T'sais, je ne voudrais pas me dire qu'on était comme un duo comme Pacioretty parce que Max Pacioretty est quand même dans la nationale. Mais oui, David, c'est une personne, un joueur qu'il ne peut pas lancer. C'est un, si on ramène ça un peu cette année, là, c'est un Nick Suzuki un peu. En deux contre un, je savais qu'elle n'allait pas lancer, qu'elle allait trouver une façon de me refiler la rondelle. David, c'est vraiment quelqu'un que, même qu'on se rappelle quand il jouait à Montréal, à un moment donné, ça venait difficile pour lui, pour Max Pacioretty. Parce que les gens savaient qu'elle n'allait pas lancer, que David allait faire une passe. Donc, tu sais, mais ça, c'est quelque chose que David voulait absolument donner la rondelle à ses coéquipiers. Okay.
Je voulais parler de quelque chose d'autre, mais je m'en souviens plus. Ouais, vous avez eu 51 victoires cette année-là. Vous êtes rendu loin en série? Non, malheureusement, non. C'est ça. On avait... Ça a stoppé. Hein. On a eu un surplus de confiance. On a sorti la première ronde en série en 4 matchs. C'était Bécomo. Yeah. Puis la deuxième ronde, on a eu Gatineau. T'sais, on s'entend que Gatineau est quand même... Il était dirigé par Benoît Groulx, il y avait des David Krejci, il y avait des... cette année-là, il y avait Claude Giroux. C'est une équipe... Si on s'entend que c'est une équipe qui était très, très bien... Je ne sais rien enlever à Richard, là. Richard nous a bien dirigé, mais c'est une équipe qui était très bien dirigée. Il avait réussi à nous neutraliser, là, notre trio à moi, David, puis Stanislav Lachek. On avait aussi Francis Véropol, Nicolas Blanchard. T'sais, on avait beaucoup de joueurs de soutien, des bons joueurs. T'sais, on s'entend que Nicolas il a joué à la Ligue nationale, mais on n'avait juste pas réussi à tout faire en sorte là, de passer cette série-là. Puis la rivalité avec Québec, c'était-tu quelque chose dans ces années-là aussi? Je sais qu'il y avait, il y avait une grosse rivalité. Mais... C'était vraiment... c'est une belle rivalité. C'est une rivalité du junior. Il y avait Richard, puis il y avait Patrick Roy de l'autre côté. On s'entend dans ce temps-là. Dans les journaux, là, c'était pas mal plus. Il y avait pas mal de feux d'artifice. Puis Richard, il lançait Patrick. Puis à chaque fois qu'on jouait au Colisée, c'était jam-packed. Il y avait à peu près 5000 personnes de Chicoutimi qui venaient nous voir. On avait des autobus Nolisée qui venaient nous voir. Puis à chaque fois qu'on jouait. À Chicoutimi, mais là, il y avait des autobus nolisés de Québec qui venaient les voir. Puis... Alors, c'est vraiment quelque chose là, que si tu n'étais pas prêt à jouer cette partie-là, tu n'aurais jamais été prêt à jouer une partie de hockey. Là. L'émotion est à son comble. Mm-hmm. Puis, tu as joué contre un certain Sidney Crosby, si je ne me trompe pas, dans ces années-là. Ça devait être quelque chose de suivi. 2 ans. J'ai joué 2 ans contre Sidney Crosby. Puis, en plus, Sidney était dans notre division, Rimouski. Mm-hmm. On jouait 10 fois contre par année. je te cacherai pas que c'était à 16 ans, là, quand il est arrivé, tout le monde il était quelque chose à voir. L'accélération, sa force de ses jambes, sa protection de rondelles. Puis il était aussi très bien entouré là, avec des Marc-Antoine Pouliot, des Danny Roussin, des Eric Nelson, des Patrick Coulombe qui est venu faire avec nous, des Mario Calzo. Des parties de Chicoutimi, Rimouski, là, c'était du bon mot pour les deux parce que c'était vraiment des bonnes parties. Là. Est-ce que c'est dans les 2 ans que vous avez joué contre qui a fait son lacrosse goal? Oui, mais c'était pas contre nous. Je crois que c'était contre Gatineau, mais... Oui, ouais, Gatineau au Québec, je pense. C'était contre moi, c'était dans les 2 ans, là, ouais. Ouais, OK. C'est bon, Zach, tu peux y aller. Tu as joué 2 saisons en France. Comment ça avait été pour toi ces 2 années-là? Ça avait bien été. Écoute, on n'avait pas une grosse. C'était pas une grosse équipe avec un gros. On s'entend qu'en France, les équipes avec des plus gros budgets, c'est les équipes qui vont chercher les meilleurs joueurs français d'un, les meilleurs joueurs, étrangers. Mais j'étais chanceux, j'avais un entraîneur québécois, un Italien, italo-québécois, Santino Pellegrino. Qui me faisait beaucoup confiance, là, dans le fond. Elle me donnait beaucoup de responsabilités. Mais c'est sûr que quand on arrivait et on jouait contre des grosses équipes, Rouen, Briançon, Angers, qu'il y avait 5-6 étrangers, des dominants, là, des A1, mais c'était beaucoup plus difficile, disons. Pour avoir joué des deux côtés de l'océan, lequel que tu as mieux aimé ton expérience? Parce que moi, j'aime mieux... Ben, si on parle côté hockey, j'aime mieux ici le nord-américain. La façon de jouer, c'est plus intense, c'est plus... l'ambiance, c'est différent. L'ambiance est beaucoup différente. Là. On s'entend qu'en Europe... Le hockey est plus important. En Europe, là, c'est comme au foot qu'ils appellent en soccer. Là, les partisans sont tout le temps en train de chanter avec leur tambour et leur fanfare, mais tu sais... Moi, j'aime un pic. J'aime un pic d'émotion quand il y a un but, quand il y a une mise en échec, quand il y a un arrêt. Mais là, quand il y a tout le temps la même musique, tout le long, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Donc, ça, c'est ce côté-là que j'ai le plus de difficulté. Mais si tu me parles de la qualité de vie, par exemple, en Europe,
c'est quelque chose d'incroyable. Là, on joue beaucoup moins de parties. Les voyagements sont moindres. Aussi, la nourriture, la qualité de vie, les gens sont moins stressés. Les gens prennent le temps de bien vivre. Là, donc, j'ai bien aimé là, mon expérience en Europe. Parfait. C'est ça. Jouer dans... vas-y. C'est sûr que pas mal tout le monde nous dit que le côté humain de vie, dans le fond, ils ont pas mal tout mieux aimé l'Europe. Ouais, mais c'est comme un Nord-Américain, on s'entend, là, quand tu joues 80 parties par saison, là, les parties s'enchaînent, puis une journée, surtout moi que j'ai joué au Jeu national, là, j'avais pas mon filet mignon qui m'attendait dans l'avion d'Élysée, là, donc... On voyageait en autobus, puis on appelait ça des sleeper bus. Là, dans le fond, on dormait là-dedans, mais une partie, je pouvais jouer, je ne sais pas moi, en Floride, puis le lendemain, mais j'étais rendu, je sais pas, dans le Kentucky, puis j'avais dormi toute la nuit, mais on jouait le soir même. Là, donc, c'est ça qui est différent. Parce que je me rappelle, en France, à tous les soirs, on venait dormir à la maison. À toutes les fois qu'on jouait sur la route, on venait dormir à la maison. Les parties sont pas mal... Le plus souvent, les fins de semaine. La semaine, tu as des pratiques. La semaine, tu as tes pratiques. La fin de semaine, tu as tes parties. La différence entre toutes les ligues que tu as jouées, je sais que tu as joué au Kazakhstan, East Coast League, AHL, puis la Ligue nord-américaine. C'est... Ouais. La différence. La différence, ben, y a beaucoup de différences. C'est sûr que si on parle Kazakhstan, je suis dans la Ligue de Russie. Les entraîneurs étaient vraiment possession de rondelle, possession de rondelle, possession de rondelle. Dès que tu te débarrassais de la rondelle, là, tu l'entendais, ben, tu l'entendais parler. C'est sûr qu'il parlait russe, je comprenais pas ce qu'il me disait, mais je savais qu'il était pas content de ce qu'il me disait. Mais tu sais, c'est vraiment là, c'est beaucoup. Ben, comme les Russian Five, là, tu gardes la rondelle, c'était pas rien, tu reviens par en arrière, puis tu gardes la rondelle, puis c'est important, eux, d'avoir le contrôle de la rondelle. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Les joueurs les joueurs russes, ce que j'ai remarqué, c'est que sont extrêmement talentueux individuellement. Dans pratiques, tu arrives dans les pratiques, tu fais comme, waouh, lui, comment ça qu'il n'est pas dans le national? Mais quand c'est le temps de mettre un système de jeu, ils sont plus mêlés un petit peu. Là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. C'est sûr que plus dans la Ligue américaine, après ça, mais là, tu sais, moi, j'ai fait des camps de Ligue nationale, j'ai fait des camps de Ligue américaine, j'ai joué des games américaines. Je trouve que la Ligue américaine, c'est très difficile, étant donné que les gars dans la Ligue américaine, ils veulent pas rester dans la Ligue américaine, ils veulent monter la Ligue nationale. Parce que la Ligue nationale, il y en a qui ont des contrôles, ils savent, tu sais, je ne dis pas qu'il ne travaille pas chaque soir, mais ça se peut qu'il y en ait un dans la Ligue nationale. Il va peut-être prendre une petite soirée un peu plus tranquille. Dans la Ligue américaine, c'est une des ligues. Puis j'en ai parlé avec de mes amis qui ont fait de la Ligue nationale. Ils m'ont dit que c'est la ligue la plus difficile à jouer parce que les joueurs ils se présentent à chaque partie et ils veulent monter en haut. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé. Que j'ai aimé parce que les gars, ils se présentent à chaque partie. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué. Parfait. Dans tes dernières saisons, tu as joué dans la LNH. Est-ce que c'est une ligue underrated d'après toi? Ben, moi, je crois que oui. Tu regardes les alignements là, présentement, c'est des joueurs qui ont joué du gros hockey. Puis c'est des joueurs qui travaillent toute la semaine puis qui n'ont pas vraiment d'entraînement. Tu mets ces joueurs-là qui pratiquent à chaque jour. C'est des joueurs qui pourraient surprendre dans plusieurs ligues professionnelles. Donc oui, cette ligue-là est très... Puis on s'entend qu'il n'y a pas vraiment... Je ne dis pas qu'il n'y a pas vraiment de structure, de système de jeu, mais les joueurs ont tellement d'expérience de hockey que les entraîneurs les laissent quand même faire un... Tu sais, les laissent quand même se coacher quand même. Mais si tu mets un système de jeu là-dedans avec des joueurs qui jouent, qui pratiquent à chaque jour, ben je crois que c'est une ligue très, très bonne. On s'entend qu'on a eu la preuve quand il y a eu le lockout en 2004-2005, la Ligue nord-américaine, comme le Radio X à Québec, qui pratiquait chaque jour, c'était tous des joueurs quand le lockout est terminé, il y a certains joueurs qui sont remontés dans le hockey professionnel, puis ils n'ont pas eu l'air fou. Oui. Ça, je comprends. Mais je pense qu'à ce qu'on peut entendre parler en ce moment, puis il y a une couple d'années, c'était vraiment plus bagarre, mais en ce moment, c'est plus des joueurs de talent qui sont là pour jouer au hockey. Là.
Oui, ben oui, c'est sûr. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, ma première année, là, j'ai commencé, là, j'ai été jouer une demi-année à Saint-Hyacinthe, puis je me rappelle, il y avait des joueurs comme des Patrick Boileau qui avaient joué à la nationale, il y avait des David Saint-Pierre qui... Tu sais, moi, j'avais 22 ans, puis j'étais un des plus jeunes. Tu sais, tous les gars, là, avant l'année nord-américaine, c'était vraiment des joueurs de 35, 37 ans qui allaient vraiment finir leur carrière-là. Maintenant, là, les joueurs... Puis on s'entend que depuis, tu sais, il y a moins d'argent à faire côté européen aussi. Donc, les joueurs, ils se disent, ben, tant qu'aller jouer 2-3 ans en Europe, ben, je vais commencer mon après-carrière tout de suite. Je vais avoir quand même une bonne ligue aussi à pouvoir jouer ici. Là. Je dis ça parce qu'on en a reçu un il n'y a pas longtemps. Je vais lire la question. Vous pensez quoi du règlement pour empêcher les gars à faire des essais dans la East Coast League? T'en penses quoi, toi, Maxime? Ben, t'en penses quoi? Je crois que... C'est sûr que c'est difficile parce que c'est côté business. On s'entend que... Ouais. Moi, je crois pas que les empêcher, ça va changer quoi que ce soit. Je crois qu'à un moment donné, là, je crois qu'il parlait à un moment donné de un an de suspension. Là, je pense que ça, c'est un peu abusif. Le fait que le gars manque... C'est surtout, je crois, le côté blessure. Tu sais, t'as des chances de te faire blesser. Mais si le joueur ne joue pas... T'sais, si le joueur ne joue pas puis il va jouer dans East Coast League, ça ne fait pas une grosse différence parce qu'on s'entend. Au-delà de ça, est-ce qu'on va empêcher les joueurs de jouer dans les ligues de garage et de se garder en fond pour pas qu'ils se blessent non plus? On va s'empêcher les joueurs d'aller travailler pour pas qu'ils se blessent. T'sais, moi, je me dis, le joueur ne joue pas ce soir-là, tu peux y aller. Le joueur, il joue, mais là, je peux comprendre que l'équipe veut le garder parce que les partisans iront payer pour le voir jouer. Mais à un moment donné, si le joueur ne joue pas, je vois pas pourquoi que ça l'empêcherait. Le joueur il va revenir pareil. Là. On s'entend que le joueur il va revenir jouer dans son équipe de nord-américaine. Effectivement, on est bien d'accord. Merci Sylvain pour ta question. Ce que je disais avant, c'est qu'on en a reçu un de cette ligue-là il n'y a pas trop longtemps. Puis c'est un bon joueur, Maxime Saint-Cyr, si tu connais. C'est ça son nom? Maxime Saint-Cyr. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Okay. Mais il n'y a pas trop longtemps, j'avais regardé une série, ça s'appelle Semi-Pro. Puis là, ça montre le côté rough de cette ligue-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a un gros. Il y a une éclipse entre les deux moments, là, de avant puis maintenant. Oui, il y a un gros clash. Là. On s'entend que semi-pro, je crois que c'était en 2004-2005, dans cette année-là, où là, ils ont fait des règles. Premièrement, ils ont fait des règlements à un moment donné que tu devais avoir tant de joueurs de 26 ans et moins dans ton alignement. Puis ça a rajeuni la ligue beaucoup. Là. Donc oui, en effet. On s'entend que la ligue, elle a changé. Dans le junior, il n'y a plus de bagarre. Donc, il n'y a plus de bagarre dans le junior, il va y avoir moins de bagarre dans le semi-pro parce qu'on s'entend que c'est la relève là, qui s'en vient. Ouais. Yes. M'entendez-vous parler? Tantôt, il y a un bug. Oui, on l'entend, oui. Ouais. Okay, c'est bon. Tu es maintenant coach avec l'équipe du cégep de l'Abitibi de Témiscamingue. Ça fait 5 ans que tu es là, que tu m'as dit, c'est ça? Oui, ça va. C'est ça va comment? Puis, c'est comment pour toi le développement du joueur? Ça va bien? Oui, mais moi, j'aime ça, le développement du joueur. Ouais. J'aime ça, travailler avec ces jeunes-là de ce groupe d'âge-là, ben, j'ai fait pas mal tous les groupes d'âge. J'ai fait Bam-Tam, Midget, Collégial. Là encore, je fais encore du Pee-Wee. Des fois, j'embarque avec mon petit gars. Mon petit gars est à ton. Moi, j'adore ça. Je veux même pas dire que redonner parce que c'est pas redonner parce que les jeunes m'en redonnent autant que moi, je leur en donne, pour être bien franc. Là. C'est juste être capable de partager mon savoir, mes acquis que j'ai eu la chance d'avoir plus tôt dans ma jeunesse. Puis présentement, c'est collégial, là, c'est une belle ligue. Honnêtement, les joueurs vont à l'école, c'est des étudiants athlètes, c'est des gars très, très... ils prennent leur étude à cœur, puis ils n'ont pas le choix, étant donné que s'ils ne passent pas leur cours, ils ne peuvent pas jouer au hockey. Puis j'aime travailler avec cette clientèle-là. Y a-tu un de tes joueurs qui s'est rendu quand même assez haut dans les autres ligues? Un d'il y a, mettons, 5 ans, 4 ans? Un de mes joueurs qui s'est... Ben là, c'est sûr que moi, les joueurs sont encore jeunes. Ben, ils sont encore jeunes. T'sais, j'ai des gars qui ont joué encore. J'ai pas... Je crois pas que j'ai... Ben, j'ai un Cédric Desruisseaux qui, là, il est rendu dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval. Je pense qu'il est peut-être avec les Lions de Trois-Rivières, je sais pas, mais... C'est ça, là. C'est ces gars-là... Dans le fond, mes gars, là, ils arrivent à 21 ans, là. Fait que... Ouais, c'était exactement ma question. C'est bon, fait qu'on va passer à notre collaborateur, le Jules César du hockey. Le Jules César du hockey.
Salut, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ça fait longtemps. On dirait que c'est comme si ça faisait un mois et quelques. Salut, ouais. En santé. C'est bien, là, on s'entend et on t'entend. Donc, tout va bien. Juste avant de commencer à te poser des questions, parce que j'ai des trucs quand même intéressants, le coach, c'est notre premier. Je veux juste parler deux secondes de Monahan. La position dans laquelle les dirigeants du Canadien se retrouvent, parce que c'est vraiment une discussion en ce moment qui est un sujet très controversé. Vite, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut qu'on échange ce joueur, en fait. Je pense qu'il a beaucoup trop de valeur pour ne pas l'échanger, même si, à la longue, peut-être qu'il pourrait être un excellent deuxième centre. Mais moi, je pense que quand le Canadien va être prétendant à la Coupe Stanley, Monahan va être trop vieux et ne sera plus un joueur de deuxième trio. C'est sûr qu'idéalement, s'il avait 2 ans de plus jeune, je dirais oui, on le signe pour 4-5 ans. Mais là, en ce moment, dans la situation qu'on est, le Canadien n'est pas proche de la Coupe Stanley ce joueur-là de 27-28 ans peut aller nous chercher un bon prospect et un premier round au prochain repêchage. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, si vous voulez garder le prolonger. Ben, en plus, on a eu un choix de première ronde avec lui contre rien. Fait que, tant qu'à moi, je pourrais l'échanger pour se rajeunir encore. Ben, c'est ça. Moi, tant qu'à faire, continuons à gagner sur cet échange-là. Je ne sais pas si ça a quelque chose à ajouter. Ben, moi, tu réussis à me faire changer d'idée parce que Monahan, c'est un gars que je gardais. Mais t'as raison. Sauf que faut que Martin Saint-Louis aille le mettre avec 2 Pee-wee s'ils veulent pouvoir l'échanger avec quelque chose de mieux. Peut-être le jouer sur une grosse ligue. En même temps, je vois ce que tu veux dire, mais en ce moment, il va bien et il est avec justement 2 ailiers qui vont peut-être un peu moins bien. Quoique le dernier match, ça fonctionnait. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens, c'est que si le centre est capable de produire, quand il y a 2 alliés qui ne produisent pas, ça, je pense à quelque part, ça augmente encore plus sa valeur, dans le sens qu'il est capable de driver une ligne, comme un peu un langage de coach, là, ici. et c'est ça aussi, j'ai des graphiques, donc je ne sais pas si Claude, tu peux mettre le premier. Donc, c'est ça, je suis un étudiant en sciences des données, donc tranquillement, je commence à faire mes graphiques, ça, c'est mon ami. Donc, ici, on peut voir, en fait, la moyenne de tir par partie de Nick Suzuki de cette année, contrairement à l'année passée. Puis on peut voir qu'il est vraiment juste un peu meilleur que l'année passée, dans le sens, mais meilleur, c'est dans le sens, il tire juste un peu plus. Donc on voit qu'il est quand même dans la même tendance, mais c'est juste un peu supérieur à, donc c'est peut-être un peu en raison de ses performances dernièrement. Tu peux aller à la prochaine. Donc si on a Austin Matthews, on peut voir qu'il a pas un début de saison très lent, mais que tranquillement, pas vite, il se rapproche de sa norme. Et on peut voir aussi que lui, c'est quand même élevé. Là. Donc, c'est de 3 à 7, alors que Suzuki, c'était de 0 à 3. Donc, quand même, il tire beaucoup plus que Suzuki, mais c'est ça, il n'est pas dans la même production qu'elle est passée. Next. On enchaîne. Connor McDavid, on peut juste voir que justement, il a commencé vraiment fort, mais que très vite, il se stabilise à autour de 4 tirs par match. Et on peut, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que McDavid, il est très constant. Puis, il continue à produire de mieux en mieux, mais en restant constant, en ayant la même, les mêmes performances sur la glace. Je pense que c'est 2, là. C'est ça, lui aussi, on peut voir que le range est vraiment plus élevé, là, donc de 3 à 9, là, mais c'est un peu biaisé, là, de 3 à 6, je dirais, et que lui aussi, c'est un peu juste supérieur à l'année passée, donc c'est juste un bon signe, et qu'il commence à se stabiliser autour de 4. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Et le dernier, donc Jonathan Huberdeau, ça va pas du tout, c'est en pente descendante. Donc ça, c'était tout pour la Ligue nationale. Bon. Merci Claude, je sais pas si vous voulez regarder, mais en tout cas, tout ça intéressant. C'est sûr que le nombre de tirs qu'un joueur fait, c'est pas vraiment représentatif, mais je trouvais ça intéressant un peu de voir par rapport aux joueurs qu'on sait en ce moment, c'est sa production. C'est vraiment un peu, ça suit un peu les trends. Maxime, oui. Je veux parler un peu de la Ligue, la QCHL, ou la Division 1 collégiale. Tantôt, je regardais ça, puis j'ai vu qu'il y a un joueur qui, en ce moment, a joué dans la QCHL, qui est dans la Ligue américaine. Ça, c'était vraiment il y a longtemps, là, je pense que c'était 2009-2010. Il y a un autre joueur qui, lui, est avec les Lions de Trois-Rivières, justement, c'est Cédric Monmini, qu'on a reçu au podcast. Cédric Desrisseaux, je veux juste te dire qu'il est rendu aux Wheeling Nailers. Donc, oui, c'est vrai. Je pense que c'est Boston, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'année passée, il avait passé vite au Rocket puis un peu à Trois-Rivières. C'est ça, jeune prometteur quand même. J'ai hâte de voir ce qui se passe avec lui. Je lui souhaite de trouver sa place en AHL pour commencer.
Ensuite, on verra s'il est capable de grinder. Ouais, c'est ça, je voulais savoir, parce que tantôt, tu parlais de motivation et tout. Là, tu te ramasses dans une ligue qui est à quelque part un peu un entre-deux de... C'est une ligue de talent, quand même de qualité de développement, mais c'est pas le midget, ni la Ligue junior majeure du Québec, ni Ligue junior triple A. Donc, tu te ramasses avec des joueurs qui ont le potentiel de devenir professionnels, surtout en Europe, de ce que j'ai vu. Je sais pas si je me trompe, là, je vois beaucoup de monde en France, en Allemagne, dans les deuxièmes ligues. Donc, c'est comment, mettons, motiver un joueur qui, à quelque part, doit un peu laisser la place, pas oublier, mais tu sais, le rêve de petits joueurs, de petits gars, de jouer dans la Ligue nationale, là, il se ramasse dans une ligue qui, OK, là, ça se peut que tu finisses professionnel, mais peut-être pas autant. Ou comment c'est de continuer à les pousser, à développer ces joueurs-là pour qu'ils atteignent le plus haut? Tu sais, c'est... Ça, je t'ai fait, en fait, là. Comment, tu sais, honnêtement, c'est... c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on voit de plus en plus d'histoires là, avec. On s'entend que le hockey, là, c'est un sport à développement à long terme. Là, donc, de plus en plus, on voit des joueurs éclore un peu plus tard. Puis, j'ai assez de monde autour de moi que je connais pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas une façon de prendre la Ligue nationale ou de gagner. Pas la Ligue nationale, parce que je ne leur parle même pas de la Ligue nationale, mais de gagner ta vie avec le hockey. Il y a plusieurs façons de gagner ta vie avec le hockey, puis on vient d'en parler, là, d'aller jouer en Europe. T'sais, c'est des choses que... C'est des expériences de vie. Tu es payé pour jouer au hockey, tu es payé pour découvrir des pays. Ça, c'est des choses que c'est pas tout le monde qui peut permettre ça, honnêtement, on s'entend. Fait que, c'est là-dessus que je travaille beaucoup avec mes jeunes. C'est important, eux, là, ils mettent beaucoup d'efforts sur... Moi, je leur dis, va chercher un diplôme après ça. Puis là, maintenant, avec l'arrivée de l'universitaire des deux, ça va aussi nous aider aussi là, pour les jeunes à avoir. Parce qu'on s'entend qu'au Québec, t'as le junior majeur, junior 3, on s'entend là-dessus, mais au collégial, mais à 17-20 ans, après 20 ans, c'était, si tu ne vas pas collégial D1, universitaire D1, UQTR, whatever, mais tu n'as plus pas. Puis on le sait que l'hockey, quand je... C'est un sport à développement à long terme, mais là, il faut que les jeunes aient une porte pour pouvoir jouer à 21 ans, 22 ans, 23 ans, aller jouer ailleurs. C'est là que, tu sais, aux États-Unis, là, pourquoi il y a beaucoup plus de jeunes? Ben, puis même en star maintenant au Québec, là, pourquoi il y a beaucoup plus de jeunes qui s'en vont du côté américain? Parce qu'ils savent qu'ils ont jusqu'à 25 ans pour se développer pour jouer dans l'universitaire américain. Parce que nous, là, c'est soit que tu joues junior majeur, puis après, à 20 ans, junior majeur, tu n'as rien, là, mais après ça, tu n'as plus rien. Là. Ben, c'est beaucoup plus. Je travaille avec mes jeunes là, pour leur expliquer qu'il y a plusieurs façons de gagner sa vie dans plusieurs pays, mais que c'est une chance qu'ils ont. Oui, puis même gagner sa vie, même sans jouer, dans le sens qu'il y a toujours manière aussi de, justement, comme tu le fais, là, te réorienter derrière le banc et tout. Même moi qui n'ai jamais vraiment joué au hockey, à quelque part, je commence à faire mon petit bonhomme de chemin pour aboutir idéalement dans le monde du hockey professionnel. Là. Donc, c'est sûr que c'est ça. Il y a toujours manière aussi à la fin avec cette expérience-là. Parce que c'est quand même une ligue division 1. Moi, à mon cégep que j'étais, c'était une division 3 et c'était quand même du bon hockey. C'était quand même du division 1. Ça doit être vraiment comme... Ça doit être très proche de, mettons, du midget espoir. J'ai vu aussi que j'avais été assistant pour midget 3. Donc, c'est sûr que là aussi, là, midget 3, eux, ont vraiment la chance encore. Ben, la chance. Ils sont encore beaucoup plus vus par des scouts là, pour la Ligue junior majeure. Donc, c'est sûr que c'est un autre sujet. Là. C'est sûr. J'expliquerai qu'on est meilleur que du midget espoir. C'est sûr, on est plus vieux. On est meilleur que du midget 3. Nous, on a la chance en Abitibi de jouer contre les Forestiers midget 3 à chaque début de saison. Okay. Parce qu'il y a un concours, puis à chaque fois, on les bat. Là, parce que moi, j'ai des joueurs, dans le fond, c'est une continuité. Là, ils vont jouer midget espoir, après ça, ils vont jouer midget 3, puis après midget 3, ils vont jouer soit junior majeur ou soit collégial. Fait que moi, j'ai des joueurs qui ont joué midget 3 qui jouent dans mon équipe. Donc, Et vous êtes le rappel aussi, là, si je ne me trompe pas? Oui, on est rappel de midget. Mais dans le fond, nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour qu'un joueur puisse jouer dans notre équipe, doit être au cégep. Donc, puis je sais que du midget 3, ils ont le droit à 5-17 ans. Donc, quand il y a 17, dans le fond, il y a des 17 ans là, qui viennent, si on a besoin, ils peuvent venir jouer avec nous. Mais, donc, tu sais, c'est un bon calibre. On s'entend que entre 16, parce qu'on s'entend qu'il y a 16-17 ans, déjà 3, puis un 19 ans,
la maturité physique, on le voit là, que c'est même pas proche, là, la force physique, tout ça, la maturité de la game aussi, on le voit que c'est pas proche. Donc, nous, là, c'est vraiment... Tu sais, j'ai des joueurs dans mon équipe qui ont joué junior majeur l'année passée aussi, donc... Ouais, ça, j'ai vu. Il y a des joueurs qui décident de pas jouer junior majeur dans nos équipes collégiales, soit parce qu'ils veulent aller à l'universitaire américain, parce que quand tu veux à l'université américaine, tu ne dois pas jouer junior majeur. Tu as le droit à 48 heures, sinon tu perds ton éligibilité pour aller jouer côté américain. Moi, j'ai des joueurs qui sont en technique policière. Donc, eux, ils peuvent. Quand tu es en technique policière, tu ne peux pas jouer junior majeur. Ben, tu peux, mais c'est vraiment difficile. Donc, eux, dans le fond, j'ai des joueurs qui sont en technique policière. Ils ont été joués quelques parties l'année passée avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Mais eux, ils ont décidé de vraiment prioriser l'école. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec l'hockey. Est-ce que c'est des shérifs sur la glace? Là, Non, c'est pas des shérifs. C'est des bons joueurs qui font pas la loi. OK, parfait. Puis, t'as parlé de l'universitaire et tout, parce que ça, je voulais t'en parler aussi, parce que l'année passée, je me rappelle qu'il y a eu un peu, quand l'UQTR avait gagné, ça avait un peu mis le spotlight sur, justement, le U-Sport au Québec. Puis j'avais comme un peu justement réalisé genre à quel point il y avait comme un peu quelque chose de manquant au Québec dans le développement des joueurs, dans le sens que justement on arrive à un jeune âge où est-ce que les joueurs sont même pas développés encore, et là c'est tout de suite ils doivent soit s'en aller en Europe, soit aller en université, même là. C'est ça, je suis un peu intéressé à ton avis sur le fait de qu'est-ce que t'amènerais toi dans le programme Hockey Québec ou Hockey Canada même, tu sais, parce que le U-Sport, à quelque part, c'est du bon talent, c'est du D1 universitaire. Je ne sais pas à quel point ça rivalise avec les meilleures équipes de la NCAA, donc l'universitaire américaine, là. Mais c'est ça, comment on peut faire pour que le U-Sport devienne vraiment comme une sortie plus internationale que juste, tu sais, trouver une manière de... Je crois que juste le fait, présentement, qu'on est sur la bonne voie, là, OK, ben, OK, Québec. Mm. RSEQ de vouloir passer une division D2. Puis je crois que le problème, c'est qu'ils voudraient rajouter des équipes division D1 québécoises. Parce que quand tu... Ben, québécoises. Francophones. Parce que si tu regardes ça, au Québec, la seule francophone, c'est le QTR. Ouais. Il y a Concordia, puis il y a McGill, mais c'est deux écoles anglaises. C'est la seule. Dans le fond, il y a rien que le QTR. Je crois qu'une équipe... Tu sais, comme... U-Laval, Sherbrooke, c'est des grosses institutions. Là, je crois qu'ils seraient capables d'aller chercher une équipe universitaire D1. Puis, parce qu'on s'entend que là, il y a une universitaire D1, 25 joueurs. Tu regardes LHGMQ, il y a 18 équipes, 3-20 ans par équipe. On est rendu à 54 joueurs. Puis après ça, il y a des 19 ans, ça va vite. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes après le junior majeur pour aller jouer. Donc, imagine, c'est pas de place pour les juniors majeurs. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait des joueurs collégiales, ou qu'est-ce qu'on fait des joueurs junior 3A qu'eux, ils n'ont pas joué junior majeur pour aller jouer après? Fait que je pense qu'il faut juste rajouter des équipes. Il faut en rajouter trop pour diluer le produit, mais je crois qu'une équipe ou deux, déjà, ça serait quelque chose de vraiment bien. Là. Puis je pense que ça, c'est juste pour garder un peu aussi... Là, un rêve, une étincelle aussi dans la tête des jeunes, de savoir que, hey, après mon collégial, j'ai une place à jouer. Tu sais, là, souvent, les jeunes, ils sont collégiales. Après ça, bon, qu'est-ce que je vais faire après? Ah, ben, je vais aller jouer dans une ligue de bière. Mais les jeunes ont 20 ans, tu sais, à un moment donné. Mm. T'es un peu jeune, tu vois le temps en masse de jouer dans ta ligue de bière jusqu'à 60 ans. Ouais, non. Puis à 20 ans, encore une fois, justement, ils peuvent encore se développer. Des fois, il y en a justement, Dernès en est un, là, qui a éclos un peu, qui a juste fait son chemin, puis qui s'est ramassé dans la Ligue nationale. Puis un bon exemple dernièrement qui est arrivé, c'est Miguel Tourigny, justement, qui lui a fini sa saison de 20 ans en Ligue junior majeure, et c'est un très bon défenseur. Il a été drafté par le Canadien en 7e round. Et là, il se ramasse dans une situation où est-ce qu'il veut pas se ramasser à Trois-Rivières ni à Laval. Laval, il est coupé, donc là, c'est Trois-Rivières qui s'offre à lui, mais ça ne le tente pas de jouer dans la ECHL. Donc, au lieu de rester au Québec, il est parti en Slovaquie. Donc là, maintenant, on a des joueurs québécois qui se ramassent à l'extérieur, qu'on perd un peu, dans le sens qu'on perd un peu le grip sur eux, dans le sens, en quelque sorte. Là. Puis moi, je trouve ça désolant parce que justement, le Québec, on est supposé d'être une nation d'hockey. On est supposé d'être une nation qui développe nos jeunes puis qui les garde. Puis on voit de moins en moins de Québécois dans la Ligue, de moins en moins de Québécois de qualité, là. De haut
de haute, comment dire, c'est le dernier, ça serait, mettons, Lafrenière, puis il n'y a pas à date prouvé encore qu'il était à un talent élite. Donc, c'est ça, je trouve ça un peu désolant. Ben, ouais, mais c'est ça le problème, c'est que là, présentement, au Québec, à part la Ligue nord-américaine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligue d'hommes, de ligue d'adultes, de ligue d'hommes professionnels. Donc, c'est sûr que les jeux, ben, à part les lions, puis les, mais ça, c'est faut que tu sois repêché ou faut que tu sois, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque un peu. Dans, que, là, en Europe, tu regardes en Europe, il y a beaucoup de hockey professionnel que tu joues contre des hommes, que tu développes contre des hommes, des gars qui ont de la maturité. Donc, c'est sûr que ça ne te tente pas d'aller jouer. Puis, ça revient encore au fait de la East Coast, le voyagement, tu fais 300$ par semaine, c'est beaucoup de choses qui font en sorte que tu disais, je vais aller jouer en Europe, puis j'allais jouer contre des hommes, puis en même temps, j'aurai une meilleure qualité de vie. Oui, ben c'est ça, en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que justement, là, je sais qu'il y a eu une réforme, que c'est pas totalement sorti encore ce qu'ils vont faire avec ça. Mais j'espère, je sais que là, Midget, ils ont changé leur style de playoff et tout, donc ça va aider au développement, mais il y a vraiment ce trou-là. Donc, je sais pas si au final, je te lance un peu dans le vide, là, mais tu sais, si t'as une proposition, comme tu sais, faut qu'on rentre les universités, puis justement, il y a des 20 ans dans la Ligue junior qui finissent, puis qui ont le talent pour continuer dans un niveau plus élevé. Il y en a plein, justement, il y en a au moins 3. par équipe. Là. Donc, c'est ça, pour rajouter des équipes D1. Mais après, pour rendre ce programme-là. Ouais, mais on s'entend que le D1, c'est des coûts monétaires aussi, là, engendrés par les institutions. Là. Fait que là, je pense que ça, c'est un autre sujet, c'est un autre aspect, là, mais il faut rajouter des équipes D1. C'est ça, il y a beaucoup de choses à faire avant. On ne peut pas juste lancer ça de même et demander à des universités de partir des programmes. Non. Donc, en gros, c'est ça, il y a quelque chose à améliorer au Québec. Beaucoup de changements pour quelqu'un qui met son pied à terre. Ben, vraiment, c'est intéressant. C'est exactement ça que je voulais comme interaction. Je voulais voir de l'intérieur comment. Je te souhaite une bonne fin de saison. Merci, Jules. Merci beaucoup. Et on se voit bientôt. Puis, de la part Sylvain, t'es une machine dans les commentaires. Qui là, Maxime ou moi là, ben, les deux? Non, il y a écrit Jules, t'es une machine. Ah bon, ben moi je te renvoie. Okay, c'est bon, merci Jules. Hey, merci. Bon, ça c'était bon. Ok, on va passer tout de suite à la mise en échec. On a des anecdotes sur toi. Oh my god! La mise en échec! J'ai aimé ton oh my god! C'est de la part de Sean Martin Boutin. au Kazakhstan, comment que ça s'est passé? Comment? Au Kazakhstan, comment que ça s'est passé? Sean Martin. Sean, c'est mon ancien roommate. On a joué ensemble. C'est ça, je l'ai eu sur le dernier podcast. Il dit, tu reçois le gros bois clair. Je dis, comment, je le reçois. Trouve-moi quelque chose. Comment ça s'est passé? Au Kazakhstan, là, parce que moi, je ne suis pas un coureur. Hein. Moi, je suis un joueur de hockey. Puis les Russes, ils ont encore la mentalité russe. Puis, premièrement, mon camp d'entraînement il a commencé le 23 juin. Ça, c'est inacceptable pour moi. Okay. Puis là, ensuite, on courait 5 km par jour dans le bois. On avait 2 pratiques par jour de 2 heures par pratique. Oh non, je suis arrivé au camp d'entraînement déjà. Je suis arrivé aux 227 livres au camp d'entraînement. J'ai commencé. Là, la saison commence un mois et demi après. Là. Puis là, quand la saison a commencé, j'étais 202 livres. J'étais sec. Là, c'est ça parce que j'étais à chambre. Puis là, j'avais tout le temps des périostites parce que j'avais mal aux jambes. Puis il y a comme des docteurs là-bas, puis ils te piquent dans les fesses, mais tu sais pas qu'est-ce qu'ils te piquent. Mais en tout cas, ça marche parce que t'as plus mal, mais en tout cas, ils te piquent dans les fesses. Puis ils appellent ça des docteurs, là, mais en tout cas, j'ai pas vu leur badge de docteur, mais c'est comme ils appellent des docteurs, eux autres. Ligue de broche à fou. Ah, c'est pas une ligue de. Ben oui, c'est leur culture, ils sont de même. Ouais. On est, un de mes amis, Sébastien Charpentier, un autre gars de Drummondville, il a joué dans KHL, pas au Kazakhstan, en Russie, puis il m'en a conté des histoires. Les Russes, c'est de même. C'est comme eux, là, c'est. Faut que tu t'entraînes 8 heures par jour, sinon tu seras pas en forme. T'as la vache.
C'est bon. Vas-y, okay. Zach, pour l'autre. Comment tu as appris que tu allais avoir ton premier enfant? Comment as-tu appris que tu allais avoir ton premier enfant? Il va être fatigué à boutin, lui. Je parle plus à lui. Ben là, au Kazakhstan, on faisait pas que j'entraînais aussi, on avait des grosses soirées des fois. Là. Puis là, j'avais une grosse soirée, arrosée. Puis là, la mère de mon enfant elle était venue me réveiller le lendemain matin et me dire « Ah, je vois, je suis enceinte. » Puis là, moi, j'étais un peu hangover de la veille. Là. Fait que là, j'étais « Ah, t'es-tu sûr, là? Viens me revoir tantôt, là. On verra ça tantôt, là, je veux dormir. » Fait que là... Fait que là, plus tard dans la journée, là, elle m'a montré le test, puis là, c'est là que j'ai fait « Ok, ouais, là, on va être parents. » Puis là, mais tu sais, de l'autre côté, des tests de grossesse du Kazakhstan, là, j'étais pas trop sûr si c'était legit ou pas non plus. Là, fait que là, après, elle m'a montré le test de grossesse, un test de grossesse à une pièce là, du dépanneur. Fait que là, on était allé pas à l'épicerie, mais excuse-moi, on était à l'hôpital faire un vrai test. Mm-hmm. Puis là, c'est là qu'on a su qu'on était vraiment ça. Ah, merci à Sean en même temps pour les anecdotes. Et je vais leur pogner. Puis on se demandait, as-tu des anecdotes drôles que tu as eues au cours de ta carrière? Ben, c'est ça, j'ai plein d'anecdotes drôles. Ouais. Ben, tu sais, au Kazakhstan, j'en ai eu plein. Tu sais, avec Richard Martel, tu sais. Un personnage, là. Ouais. C'est plein de. T'sais, on en parle souvent, moi, puis David, parce que moi, je parle souvent à David encore, là. On est encore des bons amis, David, Francis Véropole, puis on pourrait écrire un livre sur. Tu sais, comme Pierre Gervais vient de faire, on pourrait écrire un livre sur Richard Martel, puis il se vendrait comme des petits pains chauds, là, parce que on parle avec tous les gars que Richard a coachés, tous les gars, ils ont une histoire à raconter, puis on est comme, waouh, puis c'est. C'est vraiment, là, tu sais, c'est un autre temps, là, mais ouais. C'est vraiment des belles, des bons. Quand tu te réunis avec des joueurs qui ont eu Richard comme coach, tu as des bonnes anecdotes, ouais. T'as une belle soirée arrosée. Oh oui, comme ça, ouais, comme ça. C'est bon. Là, c'est le dernier point de la mise en échec. Moi, je trouve qu'il va mieux dans l'autre segment. Ouais, pas de trouble. On va partir les tirs de barrage des questions à rafale. Donc, tirs de barrage, la plus belle place que tu as joué? La plus belle place que j'ai joué, Ontario. Ça s'appelle, la ville s'appelle Ontario, c'est en Californie. C'est à 15 minutes de Los Angeles. C'est l'équipe école des Kings. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Pour vrai, là, cette place-là, je rejouerai là n'importe quand. Non, t'as-tu un joueur préféré NHL? Présentement? Présentement ou avant? Tu peux... Ben, présentement, pas vraiment. Ouais. Avant, là, je regardais un joueur comme Yaron Wigan là, j'aimais sa façon de jouer. T'as gardé de scorer des buts, t'as gardé de frapper, t'as gardé de se battre. Ben, ouais, un Jamie Benn encore là, de ce temps. Là. On s'entend que Jamie Benn, c'est Il va faire respecter sa glace, il va faire respecter ses coéquipiers, puis il joue la game de la bonne façon. C'est pas le plus flashy, mais c'est un joueur, en anglais, « get the job done », il fait les bonnes choses, puis il est efficace. Mm-hmm. Y a-tu un joueur à qui tu te comparais? Hey, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. T'en veux une anecdote, t'en as une autre, ça, une anecdote. Fait que là, dans un camp de Ligue américaine à Houston, puis dans ce temps-là, le coach est Kevin Constantine. Lui, en tout cas, il a coaché dans la Ligue nationale des Penguins de Pittsburgh dans le temps. Puis là, tu sais, dans le temps, mon anglais était rouillé un peu. J'étais pas le meilleur anglais. Fait que là, il commence à me parler, puis blablabla. Puis à qui tu penses que tu ressembles dans la Ligue nationale? Puis là, il me parle. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est qui que je ressemble, qui que je pense, tu sais. Fait que là, je dis Yaron Megan là, tu sais, hit, tabarouette. Il s'est roulé les yeux, tu vois. Je pense que. Tu sais, je parlais quand même d'un scoreur de 50 goals qui. Hey, là, il s'est roulé les yeux. Je pense que j'étais pas pantoute dans le bullseye, là. Fait que là. Fait que l'appel de ça, c'était comme. Là, il m'a dit, je pense que tu comprends pas, là. Je te parle, qui tu ressembles. Là, il m'a parlé de Joel Ward.
Ouais, ça me dit quoi, ouais. On est très loin de Aaron Hagen là, là. Hein? On parle d'un gars qui joue sur le piqué, qui joue sur la 4, puis qui. Non, non, là, je vais attaquer, ouais. Je pense que je me comprends pas, là. Fait que on dirait que je ressemble plus à Joel Ward qu'à Yaron Megan-là, un Hall of Famer. Ouais. T'as-tu une équipe préférée dans NHL quand t'étais jeune ou actuellement? C'est sûr que sentimentalement, j'aime bien le Lightning de Tampa Bay. C'est eux autres qui m'ont donné ma première chance dans le pro. Puis j'aime la façon qu'ils jouent aussi. High pace, ils jouent comme ils jouent offensivement, puis ils sont capables de. Ils jouent de la bonne façon. Puis, fait, ouais, le Lightning, là, c'est une équipe que j'aime bien regarder jouer. Maintenant, t'es coach. Avant, il y a 5 ans, est-ce que tu pensais l'être un jour? Oui, avant, il y a 5 ans. Dans le fond, quand que. Disons mes dernières années là, en Europe pro, souvent, je passais des. Beaucoup de temps dans le bureau avec le coach pour parler de stratégie, voir comment lui voyait ça. Puis, j'aimais beaucoup discuter avec les coachs avant. Donc oui, je savais que je voulais être coach un jour. Ton plus beau moment au hockey? Mon plus beau moment au hockey? plus beau moment au hockey? J'en ai beaucoup, là, pour vrai, mais c'est sûr que mon draft junior, tu sais, c'était quelque chose de quand même très, tu sais, mes parents étaient là, ma famille était là, c'est quelque chose qui était beaucoup d'émotions, là, mon draft junior, c'était à Verdun en plus, quoi que ça, mon, c'est ça, comme... Oui, ben, c'est sûr que mon 70e, là. Mais tu sais, mon 70e, c'est tellement passé vite que. Tu sais, des fois, ça va vite, là. Tu sais, dans le sens que. Tu sais qu'il y a des moments que tu te souviens et que tu as vraiment eu le temps de vivre le moment présent, là. Tandis qu'il y en a, tu sais. Je me rappelle, tu sais, comme 43e but en avantage numérique. Je pense que. J'avais comme un record de Daniel Brière dans ce temps-là. Fait que, tu sais, ça, je savais que ça s'en venait, tu sais. Je savais que là. Le monde m'en parlait et tout, parce que ça, c'est un bon moment aussi. Mais je pense que le plus beau moment, honnêtement, c'est vraiment notre run d'un playoff à 18 ans quand on a joué à Chicoutimi. On avait terminé 8e. On a gagné contre Val d'Or en 7. On avait battu Cap-Breton en 5. Cap-Breton, il y avait comme une équipe. On appelait ça la Dream Team là, dans le temps. Marc-André Fleury venait de revenir. De la Ligue nationale de Pittsburgh. On les avait sortis en 5. En 6 contre en demi-finale contre Gatineau, Max Talbot, Jean-Michel Daou. Cette run-là, personne ne voyait aller là. C'est vraiment une belle run. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça mon plus beau moment. Ouais. C'est bon. As-tu scoré contre Flower? Oui, j'ai scoré contre Flower. Puis, Marc-André, on avait le même agent. Fait que l'été, on s'entraînait ensemble et tout. Fait que, on se tirait pas mal la pipe, là. Mais oui, j'avais scoré contre lui. Il t'a-tu fait un prank en particulier ou c'était moins... Pardon? Il t'a-tu fait un prank en particulier? Non. L'été, à nos temps, il était plus tranquille. C'est plus pendant la saison que des pranks. OK. Bon. Y a-t-il une personne qui a changé de la bonne façon ton parcours? Ben, il y a plein de personnes qui ont changé mon parcours, là. Tu sais, des coachs que j'ai eus, tu sais. Tout le monde que j'ai rencontré, tous les coachs que j'ai eus, honnêtement, j'ai été chercher quelque chose de bon d'eux, quelque chose que j'aimais d'eux, quelque chose qui me permettait d'être un meilleur joueur, puis maintenant d'être un meilleur coach, voir la game de différemment. Fait que, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a des personnes comme un monsieur comme Ronald Rivard, qui, il m'a jamais coaché, mais. C'est un monsieur qui était mon professeur d'éducation physique au secondaire. Je m'en rappelle, Ronald, la manière, j'étais un petit peu tannant en secondaire 1 ou 2. Puis Ronald m'avait dit, Max, calme-toi. Il était éducation physique, puis il était maths aussi. Fait qu'il m'a dit, Max,
calme-toi parce que tu vas manquer tes games dans la fin de semaine, je te le dis tout de suite. T'sais, dans ce temps-là, tu étais un peu, ben oui, c'est ça. Puis, mes parents ont tout le temps été très stricts côté école, puis je ne m'étais pas calmé. Puis, ils avaient parlé à mes parents, puis j'avais manqué mes deux games de la fin de semaine, puis ça, c'est quelque chose que je m'en souviens tout le temps. Donc, c'est. Puis c'était correct, honnêtement. Quand je pensais, c'était correct. Il fallait que je me fasse remettre sur ma place, à ma place. Puis, tu sais, fait que M. Rivard, je le vois encore régulièrement à Drummondville. Puis, on s'entend très bien. Quand je le vois, là, je suis vraiment content de le voir. Puis, je lui dis, je le remercie encore. OK. Y a-t-il quelque chose que tu changerais dans ton parcours? Oui, ben oui, c'est sûr que oui. Ouais. Tu sais, je changerais d'être plus patient. Dans mon parcours, tu sais, moi, dans le fond, j'ai joué mon junior. Après ça, j'ai été joué ma première année Ligue américaine. Là, après ça, j'ai été joué semi-pro. Okay. Honnêtement, j'ai pas. Dans ce temps-là, j'y allais pour l'argent. L'argent rapide. T'sais, j'avais dû grinder, là. Tu sais, grinder Ligue East Coast longtemps, puis peut-être avoir ma chance de. Tu sais, fait que je pense que ça aurait été vraiment être plus, plus patient. Mm-hmm. Et. J'ai commencé à m'entraîner. Puis merci à François. Quand tu parles de quelqu'un qui a changé mon parcours, François Pellerin de Drummondville, c'est un préparateur physique. Lui, il a changé mon parcours parce que j'ai commencé à m'entraîner avec François, j'avais 25 ans. Okay. Puis ça a été mes deux meilleurs. J'ai joué 2 ans en Europe, j'ai joué 1 an en Kazakhstan. Ça a été mes meilleures années. Puis si j'avais quelque chose, j'aurais changé, là, j'aurais. Était peut-être plus sérieux dans mon entraînement, dans mon alimentation, dans mon. Pas ma passion, parce que j'étais passionné du hockey. On s'entend que tu ne te rends pas là sans être passionné, mais dans mes priorités là, dans le moment. Pas dans le moment, mais dans le temps. Là, là. On a une question d'un de nos chroniqueurs, James Jantès, si Claude, tu peux la mettre, s'il te plaît. Question pour Max. Conte-nous la fameuse anecdote de l'équipement manquant impliquant Steve Jantès, qui a l'air d'être dans sa famille, est-ce qu'on voit? Steve Jantès, c'est mon cousin, puis James, c'est son fils. si je me souviens bien, là, c'est quand j'avais oublié un. Ben, ça, c'est une autre affaire, ça, c'est avec mon père, tu sais. Puis là, mon père, comme je vous dis, mon père était strict. Je pense que c'est un peu le même avec mon gars, mais moi, mon père, on avait été dans une game de hockey, puis j'avais oublié un patin. J'habite à Drummondville, la game est à Saint-Cyril, là, c'est à 15 minutes. Mon père a dit « Non, t'as pas fait ta poche comme il faut, je vais pas chercher ton patin. » Puis j'ai regardé la partie des estrades pendant que mes coéquipiers jouaient la partie, puis j'ai plus oublié aucun équipement après ça. Ça, c'est une question qu'on aime poser à absolument tous nos invités, mais que dirais-tu au Max de 16 ans qui rentre dans la LHJMQ? Ben, je dirais au Max de 16 ans, profite-en plus que j'en ai profité, mais quand je parle de profiter, c'est comme sois une éponge, sois vraiment une éponge. Puis tu sais, je me rappelle, j'ai rentré à 16 ans, puis les joueurs de 20 ans me disaient profite-en parce que tu vas voir que 5 ans, ça va vite. Puis moi, j'étais comme, ben oui, tu sais, mais quand j'avais 20 ans, je dis ça aux joueurs de 16 ans, profitant, c'est ça, 20 ans, ça va vite, 5 ans, ça va vite, tu sais. Fait que si j'étais le max, puis je serais plus dans le gym, plus dialed in, là, plus à job, parce qu'on s'entend que c'est à 16, 17, 18 ans que tu fais les plus de gains quand même physiquement, là, donc, ouais, je dirais max de 16 ans d'être plus sérieux. D'être plus sérieux. Ah, d'accord. C'est bon. Et merci beaucoup, Max, de ta présence. Ça a été un très bon podcast. Et je vous remercie beaucoup d'avoir vu, messieurs. Merci, bien à la prochaine. Ouais. Très généreux ton temps. Et bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. Aussi. Bon, c'était un très bon podcast. Ça. Notre premier entraîneur de tout. Je me trompe pas, hein, notre premier coach. Non, tu te trompes pas, inquiète-toi pas, ça sera pas le dernier. Mais notre premier coach, on va dire professionnel, parce que mon père, le premier invité, il a été coach pendant 15 ans, mais jamais un de ses fils s'est rendu professionnel. Oui, en coulisses, ça c'est drôle. OK, fait qu'on peut passer tout de suite aux faits saillants. Claude, tu peux m'envoyer ça? Les faits saillants. Je vais commencer, Zach, OK. Nous avons en primeur quelque chose. Claude, tu peux l'envoyer.
ça, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est moi qui viens de gagner une game en tir de barrage. Moi, je suis le goaler. C'est très fort. Le seul problème, c'est que c'est pas la plus belle arrêt, mais c'est une des quatre arrêts que j'ai fait. J'ai fait quatre arrêts sur 5. Ça a bénéficié. Ouais, premier blanchissage en 2 ans. Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils ont scoré un but qui était supposé être bon, que mon coach me dit, puis qu'il a été refusé. Mais j'ai gagné pareil. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai l'impression que j'arrête la puck. Ouais. Puis après ça, le gars, il me rentre dedans, puis après ça, l'arbitre, il pointe le but. Après ça, je m'en vais au banc. Le coach, il me dit, je l'ai vu, a été tapé dans le net avant que tu te fasses rentrer dedans, mais les arbitres l'ont refusé, on s'en fout, on a gagné. Yes, c'est bon. Fait qu'on va commencer avec les fesses saillantes. C'est quoi les... Attends, je suis perdu. Un vrai montant beau. Merci, c'est bon. Oh là là, c'est bon, ça. Les fesses saillantes, soccer, défaite du Canada 4-1 contre la Croatie. Malheureusement, les Canadiens seront pas... ils se rendront pas plus loin. Je pense qu'il leur reste une game, mais sinon, ça va en rester là. Ouais. Ben, football, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu veux-tu continuer avec le reste? Ben, football, il va en avoir beaucoup à la fin. Là, ouais, mais... ben non, il y en a plus à la fin. Okay. Victoire 3-2 du Canadien contre les Blackhawks. Que dire de la célébration de Kirby Dack? C'était fou. T'as-tu vu l'image? Il y en a un qui a fait un figure. En tout cas, je trouvais ça beau. Hein. Je trouvais ça bon moody. C'est bon. Ouais, c'est vrai, je viens de voir, il y a pas mal de football. Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov mènent le Canada à leur première victoire à la Coupe Davis. Sérieusement, Tennis Canada, ça s'en vient gros. Ça s'en vient un sport assez big au Canada, j'aime ça. Je vais te laisser les Foreurs et NFL. Yes, sir, les Foreurs remportent leurs 3 matchs de la fin de semaine dans les Maritimes. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait un entre toi. J'aimerais ça qu'il y en ait un entre Seb ou mon père qui me dit ici Félix Lunam a joué des matchs. Oui, il y en a joué un. Obscuse. Hein? On a perdu Zach. Je suis désolé, Claude, rentre-toi. Je sais pas ce qui s'est passé avec Zach. Ouais. Zach, il va rentrer. Ouais, Zach, il va rentrer. Là, je sais pas si. Je sais pas ce qui s'est passé là. Pourtant, il était plugué filaire. Il arrive. Ah, il est là. Je t'allais gérer, je touche plus à rien. Calice de tabarnak. Fait que là, Zach, ouais, tu veux-tu encore le chat privé? Tu veux-tu les pétillants? Oui, t'es voué, ok, parfait. Fait que let's go. Yes. Ouais, Félix Lunam, je pense qu'il a joué en fin de semaine, mais je sais pas s'il y a eu des points ou quoi de même. Il n'y a pas eu de points. Là, c'est de savoir s'il a joué. Puis j'ai regardé les stats. Puis non, il n'y a pas de points. Louis Robin, Alexandre Doucet, Justin Rubida, Kate McCallum. Wow, l'acquisition de Louis Robin. Ouais, ça c'est une belle acquisition. Ils ont fait pas mal de points. Puis voilà, c'est ça. Yes. Ça continue dans les faits saillants. Zach, je te laisse la NFL. Yes, sir. NFL, ce jeudi, c'était le Thanksgiving américain, l'action de grâce, en fait. On s'en fout un peu, mais c'est vraiment moins gros que là-bas, s'il y en a qui ne le savaient pas. Fait qu'un jeudi spécial, 3 matchs. Il doit avoir les matchs un peu plus bas. OK. Les Cowboys ont battu les Giants 28-20. Claude, je pense que tu as regardé le match. C'était-tu serré ou... quatrième quart, les Giants ont commencé fort. Deuxième demi, ça appartient aux Cowboys. Puis en dernier, ils laissaient juste écouler le temps. Ils menaient par deux possessions. Fait qu'ils ont laissé écouler le temps. Ils ont laissé les Giants faire un toucher pour prendre le ballon, finalement. Vu qu'ils menaient par deux possessions, ils s'en foutent un peu. Fait que, c'est ça. Très bon match de la part des Cowboys. Les Bills ont battu les Lions 28-25. Ça, j'ai quelque chose à dire que j'ai trouvé drôle en maudit parce que j'ai su sur Instagram. Il y a une fameuse scène dans le film Roi Lion. Il y a Simba, puis il y a plein d'animaux qui arrivent. Là. Fait qu'ils ont mis Simba en bleu. Puis là, il y avait plein d'animaux qui ressemblent à leur logo, en fait, qui couraient. Maudit que j'ai trouvé ça drôle. Ça, c'était pas dans la même journée. L'autre game, c'était Pats contre Vikings. C'était ça? Ouais, les Vikings ont gagné.
Les Vikings ont gagné, les Pats ont perdu. J'ai un collègue, mettons, qui est très amateur des Pats. Ils disent que les arbitres ont volé la game. Ça reste encore question de jugement, mais bon, fait que c'est ça. Fait que les Pats ont perdu jeudi. Un collègue? Un collègue. Oui, je sais, mais lui qui fait les routes à Maniwaki, là, c'est un fan des Pats. Okay. OK, c'est bon, excuse-moi. Bon, là, on parle de aujourd'hui. Les Bengals tiennent bon en fin de match et l'emportent 20-16. Qui est, dans le fond, ça aurait pris soit un touché ou plusieurs bottés pour les battre. Les Chiefs, mes Chiefs, gagnent 26-10 contre les champions défendants, les Rams, qui sont déjà exclus des séries de la NFL. Tabarnouche, OK. Eux puis les Packers, mais les Packers ne viennent pas gagner le Super Bowl. Maintenant, on se transporte en football universitaire. Le Rouge et Or remporte la Coupe Vanier par la marque de 30-24 contre les Huskies de la Saskatchewan. Yes, sir, le Québec. C'est leur 11e Coupe Vanier dans l'histoire. C'est wow. Yes, sir. Tout simplement. Ouais, je vais parler un petit peu. Décor Tavelchkin, il est à 10 buts de Gordy Howe avec ses 791 buts et à 103 de Gretzky. Ça s'en vient, d'après moi, cette année, il va être deuxième. Bon, écoute, c'est sûr, à 10 buts, il reste 10 buts. Question de temps. On parle de question de temps. On parle de 17 le 1er janvier? Ouais, 17 le 1er janvier. C'est bon. Ah, puis on va faire le dernier, vu que je suis là. Malheur pour les points dans la Ligue nationale. Donc, premier, sans surprise, Connor McDavid, 36 points. Le deuxième, c'est qui ça, Calis? Jason Robertson. Il sort d'où? Il est fucking fort, il 35 points. Ouais, non, je sais, mais tu sais, écoute, là, il n'a jamais été dans le top 5 de toute sa vie. Puis là, ben, c'est celui qui ressemble à... Je sais qu'il n'est pas très vieux. Asiatique. Ouais, non, je sais qu'il n'est pas très vieux, je sais c'est qui, c'est juste que, écoute, là, il sort d'à peu près n'importe où, parce que depuis le début de l'année, c'est tout le temps les mêmes, c'est McDavid, c'est Pasternak, c'est Dreisaitl, puis là, ben, Robertson, il vient de déloger Pasternak et Dreisaitl, qui sont troisième à 32 points. Bien sûr, Dans les commentaires, il y a Sylvain qui nous dit « Coach Bélanger qui est rendu avec les Voltigeurs de Drummondville, j'ai été surpris de sa démission avec les Lions. » c'est pour aller dans le Q. C'est bon. Fait que, merci Claude d'être venu. Je vais parler des prochains invités. Fait que, c'est correct. Yes, tu vas pouvoir mes enlever. Envoyer. C'est bon. Il s'accroche en maudit aussi. Si m'envoie, il rentre. Entendu. non, c'est bon. Fait que, notre prochain podcast, ça va être jeudi le 1er décembre avec nul autre que Étienne Monpetit. Je sais pas si c'est le seul gardien qui a scoré dans l'histoire des forums, mais je pense que oui. Sérieusement, j'ai hâte de l'avoir au podcast. Je pense que ton frère était là quand il avait scoré son but. Mon grand frère était là, puis ils ont célébré juste en avant de lui qui me disait merci. Oh, wow. C'est fou. Puis après ça, notre prochain podcast, Claude, tu m'as envoyé Elliot. J'ai de la misère à dire son nom. Zach, je sais pas si toi tu le connais un peu plus. Ogonoski. Dimanche le 11 décembre, un espoir des Olympiques de Gatineau qui est présentement avec les Forestiers d'Amos. Des fois, il se fait rappeler. C'est pas mal ça. Je dirai pas plus les autres parce qu'on a encore 4-5 encore de cédulés après eux autres, là, mais on a un gros line-up. À part, bon, je pense que ça fait peu finir le podcast. On a quand même 1h20 d'enregistrement. C'est quand même. C'est bon. Ça a bien été. Fait que on se dit à jeudi, mon Zach. Yes, sir. Puis oui, 1h20, c'est assez bon. J'ai fait 2 games aujourd'hui. Je commence à être fatigué. Ouais, c'est bon. On se dit à la prochaine. Yes, sir. Bye bye. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.